j'ai quelques blessures. Je suis toujours été sûr d'avoir ces fils de à l'usure. Monte dans la douleur, je vais dans le futur. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud. Vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque je prends la voix de Laurent Chachia. Donc aujourd'hui je suis avec Fabien Yoon qui nous accompagne à un entraînement de Kukkung, le tir à l'arc traditionnel coréen, et le taekwondo, l'art martial traditionnel coréen. Allez les mecs, on arrive, on va à l'entraînement, c'est parti. Ça fait un peu enquête exclusive, comment il s'appelle? Tu le fais très bien. Bernard de la Villardière. Tu le fais très très bien. J'imite pas mal ta voix. Hein. Tu le fais très bien. Est-ce que j'imite bien la voix de Laurent Chachia? Oui, il le fait bien, ouais, c'est bon, j'ai même pas besoin de parler. Écoute, aujourd'hui, journée spéciale avec Fabien. On va aller le voir s'entraîner, il va nous présenter la discipline, le Kukkung. Kukkung, c'est bien dit là? Le Kukkung, pas trop, mais c'est pas grave. Le Kukkung, qu'est-ce que c'est? C'est du tir à l'arc traditionnel coréen. Alors pourquoi tu fais ça? Je vais juste introduire le truc vite fait. C'est parce que il va faire un film où dedans il va faire du tir à l'arc. Vous allez voir, ça va être très sympa. Et après on ira s'entraîner un petit peu au taekwondo. Où je le mettrai sur la gueule. Je le mettrai sur la gueule après. Annyeonghaseyo. Alors est-ce que tu peux me dire exactement comment ça se prononce, Kukkung? Est-ce que tu peux me dire exactement si t'es en train de me filmer pendant que je me déshabille? T'as l'art de faire les plans bons, quoi. C'est... Ah bah oui, oui, c'est le vlog en direct. Kukkung. 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 C'est bon, j'ai compris. Kukkung. Kukkung. Et donc là, tu vas mettre une tenue traditionnelle? Pas du tout, je vais mettre mon jogging de marque Nike et mon sweatshirt de marque également Nike et du Paris Saint-Germain. Donc c'est la tenue traditionnelle. D'accord. C'est la... Alors fais-moi voir un petit peu. Oh, c'est joli la petite housse là. Donc voilà, ça c'est une housse qui te sert aussi de... Tu vas la mettre autour de ta taille pour mettre les flèches comme ça. Ah ouais? Donc en fait l'arc il est fait en bambou. Et donc la ficelle elle est faite en poil de bison. Non je rigole. Ah, mais je savais que t'allais dire une connerie. Bah j'ai voulu dire une connerie mais je trouvais pas putain. Non non elle est faite... C'est une espèce de tendon de bœuf. Sans déconner? Ah ça par contre c'est vrai. Il faut... Enfin moi il m'a fallu plus d'un mois et demi avant de pouvoir rien que le tirer comme ça. Ah. C'est quand même super physique et ça, la distance de base c'est 145 mètres. 145 mètres? T'as bien vu sur la vidéo? Ah j'ai vu sur la vidéo où tu tires loin. Tu vois à peine la cible. C'est super vieux, ça a été utilisé par les envahisseurs mongols. Genghis Khan, je sais pas si tu connais. Ah bien sûr, Genghis Khan. Genghis Khan, les mongoliens ils aiment bien tu sais faire du fan et tout, tac, ils étaient là avec leur... C'est un petit peu les Legolas. Celui-ci tu peux le faire en courant. Sur un cheval? Tu m'as dit. À la base ouais, c'est fait pour faire sur un cheval. Laurent est en train de tirer sur mon arc. Donc d'entraînement, donc c'est-à-dire que c'est un arc avec... que les enfants coréens utilisent généralement entre l'âge de 5 et 8 ans. Donc une belle humiliation. C'est vrai, c'est un arc d'entraînement, il est plus... Ah c'est un arc, ouais, il est plus souple que les autres. Ça c'est des vrais ça? Ouais. Là tu montais pas, et là je suis pas à fond là. Là t'es à, ouais je vais dire 50. Ah super physique. Ah ouais je pensais pas que c'est super léger, il est super léger par contre. Ah d'accord, c'est pour ça que t'as un ruban sur le pouce, ouais. Et que ça fait mal au pouce. Sinon c'est impossible. Ah ouais mais je le tenais pas du tout comme ça là, le truc moi. Bah okay. Tout le monde pense qu'on tire la flèche comme ça et tout. Même moi au début la première fois que tu tires, tu vas le prendre comme un stylo bic. T'es comme ça et tout. Oh, attends, oh. Fabien Yoon en classe de CP. C'est trop dur, je t'arrête le pouce. Allez tire. Tire. Ah, putain, ça part bien. Ça fait trop mal, regarde mon pouce. Humiliation du pouce de Laurent Chachia. Bon, ça y est, le prof rentre en action. Et donc au final, là, tu vas t'entraîner avec un arc un peu plus dur que le tien. Tu vas viser le tir. Bien. En plein dans l'œil. Là je tire et tout, mais avant de commencer à toucher l'arc et à tirer, il m'a fallu un mois et demi pour qu'il m'apprenne toutes les énergies cinétiques, apprendre à servir de l'énergie qui est à l'intérieur de toi pour pouvoir tirer. Sinon t'as bien vu comme tout à l'heure, c'est impossible de tirer de tirer l'arc si tu sais pas utiliser la bonne énergie. Et avant de savoir utiliser cette énergie,
faut que tous les muscles qui ne te servent pas, faut que tu les relaxes et que tu ne te serves que des muscles dont tu as besoin. C'est vraiment un art, quoi. C'est vraiment un art martial. C'est, voilà, c'est pas un sport, c'est un art martial. Ah. C'est ça la différence avec le tir à l'arc. Tac. Hop, ça sous ton aisselle. Hop, comme ça. Ok. Ok. Maintenant, en descendant, tac, tu vas tirer. Ok, tire. Ah, ça fait mal. Ça fait très mal au pouce. Pas mal. Ah, c'est cool. Pas mal. C'est cool, hein. La sensation quand... C'est pas mal, hein. Ouais, il y a des bonnes sensations. Par contre, t'as failli humilier le mur, quoi. T'as tout juste tiré dans le tissu, quoi. Mais ça a failli sortir, quoi. Ça a failli sortir. Il vient de me donner un nouvel arc encore plus puissant que le mien, il me disait. Il est beau, lui, avec la déco serpent et tout. J'ai l'impression de passer d'une... T'as gagné un level, mec. T'as level up. J'ai l'impression de passer d'une Renault Kangoo à une Porsche Carrera. Ah ouais. C'était beau, ça. C'était beau. Alors, ça, c'est après une heure. Un peu plus d'une heure, quand même, non? Un peu plus d'une heure, ouais. Écoutez, je vous annonce officiellement le décès de mon pouce droit. Oh, là, ah, le vilain pouce droit. Mais c'est pas fini, on n'est pas venu que pour ça aujourd'hui. Puisque Fabien, il est aussi 4e dan, ceinture noire de taekwondo, dans l'équipe des K-Tigers. Korean Tigers. Les Korean Tigers, donc de taekwondo. Fabien va déjà nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas le taekwondo, même pour ceux qui connaissent, il va nous faire une petite démonstration du taekwondo. Donc déjà, la souplesse, elle est là. Alors déjà, on ne dit pas taekwondo, on dit taekwondo. 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 Taekwondo, d'accord. Taekwondo. Alors, le taekwondo. Ah, t'es chaud, casse-pistache ? Ok, vas-y. Toujours. Donc, les coups de pied. Ah, les coups de pied, ouais. Dolio Chagi. On a là, c'est un coup de pied circulaire. On a coup de pied poussé, Yop Chagi, de côté. Comme ça. Pied marteau. Comme ça. Toutes les techniques circulaires, donc là, t'as le retourné circulaire. Faut léguer. Plus de 50% des KO, c'est là-dessus. T'es là, t'as un mec, hop, tu te bats contre lui, tac. Généralement, c'est ta jambe arrière qui est là, il avance vers toi, et puis au moment où tu lances, bah. Ah, c'est ça, c'est généralement tous les KO que tu vois, ils sont comme ça. T'es là, bah. Et voilà. J'ai mis KO punching ball. Et premier coup dans le punching ball, KO. Oh putain. Voilà, comment on met KO un punching ball. Alors ce qui est bien, bon, c'est pas pour me la raconter, mais bon, ce qui est bien avec le punching ball, c'est qu'il rend jamais les coups, quoi. Voilà, voilà. Quand on contrôle pas sa force, pas mal ce petit plan. Justement, comme je te disais, ouais, c'est les coups de pied généralement qui entraînent le plus de KO, quoi. Donc, généralement, les combattants... Quand tu vois un mec, généralement, alors ça c'est une technique que ceux qui n'ont pas trop d'expérience au combat font. Sur les mecs qui veulent absolument faire ça, puis tu le vois. Ah, il se prépare à mort. Et t'as trop de mecs dans les compétitions, ils sont. Et genre, le truc c'est que tu les formes, donc toi t'es comme ça, tranquille. Le mec, tu l'as vu venir genre à 100 km à la ronde, t'es comme ça, tu. Et généralement, le mec fait. Oh. Et lui, quand il arrive, eh ben, il est là, il a plus de garde. Et alors, ça. Alors, Laurent m'a demandé une petite initiation au taekwondo. Donc il a vraiment envie de se battre contre moi, donc juste pour lui donner un petit aperçu de ce qu'il attend, je vais lui montrer un petit peu ce que c'est qu'un combat de taekwondo. Tu peux te mettre ça.
Très bien. C'était super cool, hein, cette petite initiation aux arts coréens. Tout à fait. Aux arts coréens, le tir à l'arc, le taekwondo et tout, bah, c'était super cool. On se retrouve de toute façon dans pas longtemps. Et t'as un petit message à faire passer aux gens? Faites l'amour, pas la guerre. Et voilà. On part là-dessus sur faites l'amour, pas la guerre. C'est très bien les gens. Et je vous dis... Hasta la próxima! Ah non, c'était pas ça. C'est pas ça. Bienvenue à Hongdae les amis. Et voilà, ça y est, Fabien s'est fait bloquer. Je suis un peu plus de temps, 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 je suis un peu plus de temps